Bonjour ou bonsoir à tous les fans de l'émission La vérité vous affranchira. Nous comptons gagner ensemble avec vous dans 13e sortie émission ça et surtout nous comptons gagner ensemble avec vous dans un nouveau sujet que nous va traiter ensemble. Puisque vous connaissez que émission ça c'est une émission qui partager les grands dévoilements, les grandes révélations, eh bien, c'est sûr que ardemment qu'on a prétendu un nouveau sujet pour que nous entamions ensemble avec vous. Et puisque vous connaissez, mes bien-aimés, le mois de février, c'est un mois qui est consacré aux Valentins et aux Valentines. Ça veut dire, nous connaissons que, surtout le 14 février, eh bien, c'est le jour des amoureux. Eh bien, le sujet que nous allons traiter ensemble avec vous, c'est la vérité derrière la Saint-Valentin. Parce que mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pas tout. C'est vrai, il y a des traditions, des séries de concepts. Parce que dans le monde là, rien n'est innocent. Et tout ça que nous avons fait, ou bien que nous levons, nous joignons, eh bien, c'est important pour questionner, pour connaître qui ça qui est derrière, mes bien-aimés. Donc, ensemble, nous allons comprendre, nous allons étudier ensemble et déjà nous espérer en pile question sur le sujet ça. Nous espérons commentaire vraiment abondant. La vérité derrière la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, normalement, qui est lieu le 14 février, qui est considérée dans de nombreux pays comme le jour des amours ou bien la fête des amours. Et les couples en profitent pour échanger leurs mots doux et cadeaux. Et ensuite, gagnent tout par des roses qui sont emblèmes, passion. Donc, nous connaissons que jour ça, c'est ça seulement que nous consacrons pour les amoureux. Donc, maintenant, mes bien-aimés, la grande question qui se pose, gagnons un article qui relayé qui dit la Saint-Valentin une mythologie romaine ou une simple légende britannique. Et c'est ça l'article qu'ils ont revu et qui est publié par Elle ou capable à le consulter lui. Et bien qui montrait que par rapport à origine fait ça puisque c'est ça qui derrière n'a essayer comprendre jusqu'avant pour nous dire est-ce que nous capables aller dans le même courant ou bien est-ce que à bon escient nous supposer comme monde qui intelligent puisque nous connaissons des monde qui penser hein, pas seulement dans le monde physique mais dans le monde métaphysique, dans le monde spirituel mystique, des agents tout qui penser et c'est ça que fait nous-mêmes nous obliger pas innocent par rapport avec les traditions que nous levons, nous joignons, mais pour nous questionner à la lumière de la parole de Dieu, pour nous connaître est-ce que nous sommes capables de faire route avec eux ou pas. Nous connaissons que, mais dans le même article, ça, côté que qui dit la Saint-Valentin, une mythologie romaine ou bien une simple légende britannique, eh bien, origine faite Saint-Valentin, hein? Mes bien-aimés, en tout premier lieu, c'est par son origine païenne. Ok? Parce que, tu as un décret qui est sorti par le pape Gélase Ier sous le 3e siècle, qui décret ça, qui ça le dit, il te fait comprendre que, mes bien-aimés, que ils ont accepté la Saint-Valentin, jour ça qui était 14 février, comme le jour des amoureux. Mais pour te remplacer, ils ont fait qui était là déjà dans l'antique romain, romantique, eh bien, qui était relié Lupercal. Lupercal, là, c'était, ils ont fait côté que. Ils ont été célébrés pour une divinité qui est Lupercus, qui est la divinité de la fécondité. Côté que ils ont sacrifié un bouc
Et bouc ça, yo prend poli, yo fait des tanières et puis des jeunes garçons yo déguisé yo et puis avec fret sa yo, yo commencé sur toute route là, y a bat jeune fille ensemble avec lui pour que yo capable féconde en quelque sorte. Et deuxièmement, fait ça a été marqué par une sorte de libertinage tout sexuel en quelque sorte, puisque moun sa yo qui courir dans toute route là, et bien toute fille yo rencontré pour compte yo, et bien yo accouplé ensemble avec yo enceinte yo, puisque c'était dans jour ou bien dans l'idée divinité ça qui relie Lupercus. Donc fait là t'est relie Lupercal. Donc c'est là, mes bien-aimés, Gélase premier te vin trouvé que fait ça te paraît un peu ridicule. Eh bien, l'itabra, le pape, c'était pape Gélase premier en 1495, eh bien, l'itabra décrété que le 14 février comme le jour, le jour des amoureux, qui pouvait remplacer Lupercala qui était fait dans 13 février pour arriver dans 15 février. Et surtout dans 15 février, c'est le jour sa grande célébration a été faite. Mais nous venons comprendre que c'est ça qui aurait été découvrir Saint Jacques pour couvrir Saint Paul. Par exemple, où il a remplacé, il a retiré et bagaille là, et que sous fête là, origine qui c'est Lupercala, fête au païen ça, eh bien, pour que il a recampé encore, il a l'autre fête. Ok, son l'autre forme. Donc, c'est même cabrit, même plimage, même Tomazoa, ou bien même plimage là, c'est même bagaille là que l'Iblié. Nous allons comprendre ça, mais bien aimé. Donc, yo vin fait comprendre que te gen yon légende qui te né l'an 3e siècle. Côté que, parce que yo pas vérifié, parce que gen pile moun qui fait ressortir d'autres explications sous lui-même. Yo dit te gen yon empereur et sous 3e siècle, empereur Claude II, qui yo te rele le cruel. Eh bien, dans l'époque ça, monsieur te met en pile en phase pour que tout jeune garçon dans le royaume, pour que yo capable enrôler dans l'armée. Eh bien, te gen yon jeune garçon qui était un prêtre, eh bien, lui-même, il était tout jeune garçon en cachette, ni marié yo, parce que nous étions interdit question mariage là, empereur ça, Claude II. Eh bien, monsieur lui-même, à cause Valentin, ou les Valentin de Terni, ou bien Valentin de Rome, eh bien, l'Itabral fait mariage en secret. Écoutez que, par la suite, lorsque l'empereur la connaît ça, et puis l'Itabral a arrêté monsieur. Et par la suite, pour le reste de l'histoire, l'Itabral décapité monsieur, l'Itabral tué. Eh bien, c'est la même optique ça, pas Gélase premier, l'Itabral même jour ça, l'Itabral décrété le 14 février comme le jour de Saint Valentin. En 1496, le pape Alexandre VI a désigné la Saint-Valentin comme le saint patron des amoureux. Okay? Comme le saint patron des amoureux. Parce qu'il était venu canoniser et saint ça, fait le tourner en saint normalement, côté que il est capable de vénérer lui. Donc, au Moyen-Âge, surtout dans le 14e siècle, en Angleterre, eh bien, yo t'a pral vin comprendre yon bagay tout. Côté que yo t'a pral wè nan jou qui t'est toujours comme une légende. Parce que yo dit nan jou 14 février, eh bien, yo toujours wè oiseaux yo toujours à Paris. Ça veut dire yo mette yo à pa pèr. Ça veut dire c'est le moment yo accouplé. Et même en Angleterre, eh bien, yo t'a pral désigné jou sa tout comme un jour et des amoureux. Et d'après le gion bagaille qui te prenait sens tout, ça a relé le Valentinage. Valentinage,
qui c'est côté yoté bail nan année ça côté que yon femme toute femme dou gen droit pour que yo infidèle envers Mario nan jou ça. Ça veut dire yo capable choisir n'importe cavalier yo fait tout à fait yo pour que jou ça yo gen libre yo gen toute liberté yo pour que yo fait ça. Donc c'est ça qui fait yo te rele le valentinage. Au 19e siècle aux États-Unis, fête ça t'a pral vinn pran yon ampleur commerciale. Et yo t'a pral vinn plus comprendre comme yon fête commerciale. Côté que l'année 2021 se passe à là, yo dépensé 27 milliards de dollars pour la Saint-Valentin. 36 millions de chocolat, de boîtes de chocolat. 180 millions de cartes de vœux dans le monde. Et par bon côté français, vous devrez comprendre, 80% là-dedans, vous devrez comprendre que fête Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Nous-mêmes, nous ne voulons que vous paraître comme le cocu ou bien la dupe de ces gens-là parce qu'il y a les élites commerciales, des gens qui pensent pour eux-mêmes. Que le cas penser que ou c'est cocuni ou c'est la dupe ou bien ou c'est ce qu'on appelle le dindon de la farce. Ça veut dire côté que moun sa yo y a pensé pour même des vendeurs d'élite et puis nan jou ça y a fait mago yo y a fait million yo parce que chiffre d'affaires là li vraiment extraordinaire nan jou ça. Donc c'est ça que fait français yo pral comprendre et même aux États-Unis. Et nous n'avons que côté aux États-Unis 27 milliards de dollars dépensés pour jouer fête ça. Donc, vous venez comprendre que fête ça est plus une fête commerciale que une fête normale, en quelque sorte. Non seulement ce sont des appels à la dépense, des appels puissants à la dépense, n'en joue ça, mais c'est aussi une invitation à la débauche, à toutes sortes de perversions sexuelles. Tout. Parce que vous venez comprendre que dans le jour 14 février, ça, c'est le moment côté que même les. Parce que pas oublier dans le même objectif, fait païenne, Lupercal, là, côté que dans Lupercus, qui c'est Dieu de divinité. De mariage et autres, eh bien, côté que yo t'appral accouplé dans toute la rue, fait des orgies. Eh bien, c'est même l'idée, dans le même contexte, 14 février, côté que la débauche dans jou ça pral prend mise la des perversions sexuelles, parce que yo vin comprendre que lorsque on moun, même littéralement, mais eh bien, jeudi, hein, ou bien 14 février, il est supposé un jour de preuve, côté que pour jeune fille, ça a livré à lui-même, côté pour toute bagaille faite. Donc, l'État plus paraît comme un jour, parce que moi, je voulais nous comprendre l'idée, mais bien aimé. Hein? Je voulais nous comprendre l'idée. Ça, c'est fait ça. Et on fait comprendre tout, taux de suicide est très élevé dans ce jour-là, parce que il y a un pile monde les célibataires qui pas gain personne ou bien gain des monde tout parce que depuis nan jou ça garçon ou bien tablier soit madame ou bien ménage en quelque sorte et bien yo sans les fils à sans les à plutôt parce que jou ça pas supposé oublier donc en pile monde suicide tête parce que nan jou ça et gagnon article qui sorti qui dit la Saint-Valentin, la fête de l'amour ou plutôt de l'hypocrisie. Pour quelle raison que article ça a sorti comme ça? Parce que au connoué bien d'essayer de nous des maris ce jour-là qui des maris violents pendant toute année soit que tu as trompé madame yo, tu as trompé ménage yo, mais ce jour-là
Il venait avec des gerbes de fleurs comme preuve d'amour. Et c'est là, article ça, pour le faire sentir, pour lui démontrer qu'on dit la fête, la Saint-Valentin, la fête de l'amour ou de l'hypocrisie. Maintenant, la véritable question que nous sommes capables de poser, est-ce que le chrétien peut être ou bien peut fêter la Saint-Valentin? C'est ça la véritable question. Tout parler ou en d'affaires pile là, c'est là nous voulons arriver. Est-ce que le chrétien est capable de fêter la Saint-Valentin? Mais ou va dire, bon, mais oui, parce que nous dans le monde là, nous pas capable montrer que nous indifférent à monde là. Mais gon bagay que me voulez fort comprendre mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Et ça est extrêmement important. Parce que lorsque il dit nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde, qu'est-ce que cela sous-entend? Monde là, il y a tout un système. Par exemple, système de valeurs, système de croyances, système de priorités, système de coutumes que le monde est capable de gagner. Mais nous autres, la Bible fait qu'on est, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire, nous ne vivons pas selon le système monde ça. Ça veut dire système de valeurs, de coutumes que monde ça capable présenter nous. C'est pas de lui la vie. Et lorsque on lit dans Jean 17 le verset 14, 15, 16, il dit comme ça que je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Et c'est pour raison ça, yoraï, chrétien yoraï, parce que vous parlez accepter tout bagaille, vous parlez prendre tout bagaille, parce que vous connaissez mes bien-aimés, vous ne pouvez pas vivre selon le système de ce monde, système de valeurs et de coutumes mondiales, ce n'est pas de lui que vous vivez, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas vivre de lui. Maintenant, l'autre bagage qu'on est capable de dire, mais c'est dans quel esprit? Moi-même, je suis fêté l'anjou ça, mais ce n'est pas dans l'esprit ça que je suis fêté. Ce n'est pas dans l'esprit ça. Mais, le bagage que je voulais dire, l'esprit, dans quel esprit qu'on fait? Jésus-Christ dit un bagage, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que lorsque roi la rentrer dans le contexte de la Sainte-Seine, parce que lorsque table a dressé, eh bien, lorsque ou en communion avec table, ça veut dire ou en communion tout avec Jésus. Et c'est ça qui fait mon qui te fait ça indignement ou bien sans discerner le corps de Christ. La Bible dit mon ça ali boit et le manger un jugement contre lui-même parce que n'est pas fait avec discernement, n'est pas fait avec il fait de manière indigne. Donc lorsque ou a fêté le 14 février comme la Saint-Valentin, c'est dans qui mémoire? C'est dans la mémoire de Cupidon. Et on pourrait que l'issé emblème fait ça Cupidon. Côté que, ou après qu'il avait un arc dans mel, avec et puis le gazelle, et puis avec un cœur, côté la tirer là-dedans. Donc c'est Cupidon. Cupidon, dans le mot qui sortit, c'est coupéré, qui c'est désir. Donc qui toujours comme Dieu ou bien divinité de l'amour, de la passion en quelque sorte. Et c'est lui-même tout qui vient remplacer parce que dans la Rome antique, c'était Lupercus. Et c'est découvrir Saint Jean, couvrir Saint Paul. C'est même bagaille là. Même cabrit, même plumage, même plumage.
c'est dans quel esprit. Donc lorsqu'on fait ou mettons à table dans jour ça, l'aime dit à table ça veut dire on prend part à ce jour-là pour dire on va fêter la Saint-Valentin qui c'est déjà origine d'une fête païenne. Eh bien mes bien-aimés, la Bible dans 1 Corinthiens 10 fois senti que lorsque vous participez à la table des démons, vous venez en communion ensemble avec lui. Ça veut dire que vous faites à l'honneur, en mémoire. Même Jean la Sainte Seine, vous faites en mémoire de Christ et ça met tout en communion avec Christ. Et si vous faites indignement, ou qu'à malade ou qu'à mourir tout, et bien c'est de même. Lorsque vous prenez part dans la mémoire, dans l'esprit de la fête, de Saint-Valentin, hein, eh bien, c'est honorer, c'est vénérer divinité ça. Hein? Mais bien-aimé, donc il faut que nous prudents là-dessus. Nous venons comprendre que jour ça, en pile monde, il y a fait en pile et comme si il y a fait des dépenses atroces. Côté que yo fait même des dettes pour que comme si yo ka fait plaisir avec Dulcine yo bien ménage yo bien madame yo, yo prêté yo fait des bagages énormes pour que yo capable prouver l'amour yo. Gagné même c'est pendant que yo remet mais yo pas marié. Et ou bal jeune des chrétiens tout dans même jour ça tout côté que pas oublier que et la passion il y a le feu la chaleur et puis la fornication parce que son jour même gens avec l'idéal le percus non le père cal fait païenne ça côté que c'est le jour d'accouplement côté que orgie et bien dans même idée ça pour bal ouais la des fornicateurs à travers le monde entier. Donc, en acquis objectif dans la mémoire, dans l'esprit de cette divinité, mes bien-aimés. Nous comprenons bagaille. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 23. Oui, nous capables, en quelque sorte, parce que toute bagaille a permis à nous-mêmes pour nous faire. Mais est-ce que c'est utile? Non, ce n'est pas utile. Pour faire des dettes, pour faire des bagailles extraordinaires, pour, et comme si des bagailles qui dépassent en façon pour paraître ou même pour prouver yon bagaille. Mais qu'est-ce que nous voulons dire par là? Pour autant, la Bible lui célébrer l'amour, lui célébrer et l'amour entre madame et monsieur. Par exemple, lorsque on lit dans Cantique des Cantiques, il y a des livres qui sont consacrés pour ça. Nous, et que le mariage de Christ, l'Apocalypse, le mariage mystique de Christ avec l'Église. Donc, la Bible, en quelque sorte, est célébrer l'amour. Mais l'amour, ça, c'est qui ça veut dire? Son amour du 1er janvier jusqu'au 31. C'est ça. Donc, pour prouver l'amour, appréciation à yon moun, à Dulcine ou à madame ou à fiancé, c'est de chaque jour. C'est pas yon jour comme si Jean que monde l'en mettait en l'honneur de yon divinité. Et puis, c'est les ça que nous dit bon, c'est les ça mal choisi tout. Mais de préférence, nous autres. Parce que nous supposons toujours un modèle pour le monde. Un modèle dans vrai l'amour que nous sommes capables de montrer. Mais l'amour, ça, c'est un amour qui prouvé, qui supposé prouver. De 1er janvier jusqu'à 31. Chaque jour, nous sommes capables de prouver l'amour à madame. Prouver l'amour à fiancé. Ce n'est pas fin de battre les jeudi et puis demain au côté, c'est 14 février pour porter fleurs. Et c'est ça que vous montrez l'hypocrisie dans ce jour-là. Nous allons terminer, mais nous voulons comprendre, mes bien-aimés, l'esprit qui est derrière la Saint-Valentin. Oui, l'amour nous supposait célébrer ça,
mais nous voulons faire sentir. Ou pas besoin d'endetter ou faire des séries de bagailles comme si qui dépassé ou doué passer par là, à le prêter pour faire des séries de bagailles dans quel esprit, dans l'honneur de un jour, de une divinité. Mais chaque jour, ou capable de prouver l'amour, ou capable de porter un gerbe de fleurs. Il inclut le 14 février parce que lorsque moi dis 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ça veut dire qu'il inclut tout 14 février. Ça veut dire, vu comme tout chouïa, c'est l'âme le fort complet. Donc, nous supposons toujours un modèle dans toute occasion, étant que chrétien, dans toute situation, pour ce monde-là, dans toute dimension. Et c'est ça que fait le dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14-15, il dit, ou c'est en lumière pour le monde. Et il dit lumière yon en ville sur une montagne pas cap cacher. Et yon lumière ou pas ca allumer une lampe pour mettre en bas en pot. Mais faut mettre sous chandelier afin que le capable éclairer tout la maison. Donc vous êtes des lumières et en nous agir tant que tel. En nous agir étant comme monde qui pense, côté que monde pas fait nous le dindon de la farce, comme dupe, comme cocuyo, parce que vous pensez que nous sommes des imbéciles. Mais non. Comme si chiffre d'affaires, il a préparé, il a fait des séries de bagailles, manufacturé des séries de bagailles, parce que vous connaissez que vous allez faire pile l'argent, hein, sur un pile monde dans le moment ça. Les vendeurs d'élite. Les élites commerciales. Nous te voulons que ces informations soient gagnées, mes bien-aimés. Pour si vous pas agi, si vous voulez faire des choses, mais pour faire avec toute conviction. Parce que la Bible dit tout ça qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.